tout procès pénal en phase de jugement la possibilité pour l'accusé d'écarter, de contester l'accusation et de placer sa propre thèse est un droit. Donc, dire que je n'ai pas été au stade, c'est son droit le plus absolu. Mais ce que vous ignorez dans cette affaire, c'est que ces parties civiles doivent à M. Aboubakar Toumba Diakité. C'est grâce au commandant Aboubakar Toumba Diakité qu'ils ont goûté aux délices du pouvoir. N'eût été le tir perpétré contre la personne du capitaine Dadis, ces gens-là ne seraient jamais au pouvoir. Maître, quand vous parlez de partie civile, vous voulez indexer qui réellement? Monsieur François Le Sénifal, Monsieur Mamadou Mokhtar Diallo, tous ceux qui ont cité Marcel et qui veulent aujourd'hui protéger Toumba. Parce que je me rappelle, de 2009 à nos jours, nulle part dans leur déposition, vous ne verrez le nom de Marcel. Baouri est venu ici. Sur la présence de Marcel, quand on lui a posé la question, il disait, vu quelqu'un de robuste, grande taille, mais sa silhouette ne ressemblait pas à Marcel. Donc il y a un doute sur la présence de Marcel, non seulement au stade, mais aussi à la clinique Ambroise Paris. Mais les parties civiles, puisqu'il faut vaille que vaille, trouver un coupable, il faut épingler Marcel. Mais qu'on abandonne alors ce procès? Elles sont déjà séduites par leur bourreau, une victime de viol qui se laisse caresser par son bourreau. Vous ne trouvez pas ça ridicule? C'est même une insulte à la nation guinéenne. Ce complot ne visait pas seulement la personne du président Dadis, mais c'est toute une nation. C'est ce que vous oubliez. Donc vous pensez, vous estimez que ils ont en tout cas quitté, ils ne veulent plus reconnaître le PV d'audition, mais plutôt les thèses, en tout cas ce qui a été annoncé ou ce qui a été dit ici, à la barre. Je vous donne deux éléments. Prenez Mokhtar. Lisez sur sa face Facebook. Si vous voulez aussi, je mets à votre disposition sa déposition devant les juges. Devant les juges, il dit qu'on a été empêché à la clinique par je ne sais qui. C'est très important. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas la personne qui a menacé au niveau de la clinique. Devant sa page Facebook, après l'audition de Toumba Diakité, c'est là qu'il dit que c'est Marcel qui a menacé de faire sauter la clinique. Deuxièmement, la déposition de M. François Le Sénifal, devant les juges, il n'a jamais indexé Marcel. Dans les livres qu'il a écrits, je vous renvoie au livre. Vous avez lu le livre? Oui. Vous l'avez lu? Oui, parce que je vois Maître Alpha Motdis sourire. Oui, j'ai scruté Internet. J'ai lu partiellement, mais nulle part je n'ai vu le nom de Marcel. C'est pourquoi j'étais curieux de lui poser la question, combien de fois le nom de Marcel se retrouve dans ce livre? Parce que ce livre parle des événements tragiques du 28 septembre. Et lui, en sa qualité de parti civil, voyant ce qu'il a dit, ce qu'il a reproché à Marcel, les faits graves qu'il reproche à Marcel, il ne pouvait pas parler des horreurs du 28 septembre, des événements tragiques du 28 septembre, sans parler de Marcel. C'est incroyable.